Oui, qui est là? La porte? Non, mais ça, vous voulez que ce soit qui? Ah, d'accord. Refermez-vous bien avant de partir. Mais non, c'est votre cliente préférée. Vous savez, Shell, avec un S. Ah, merde. Eh bien, entrez, Shells. Je vous en prie. Merci de l'accueil. C'est quoi ce bureau? Bah quoi? Il est très bien ce bureau. Bah, je m'attendais pas à voir votre bureau de cette couleur. Il est tout rose Barbie. Eh bien, au moins mon bureau avec cette couleur, eh bien, vous pouvez plus me faire chier avec votre espèce de machine bizarre. C'est plus drôle. Bon, le temps, c'est du temps. Et l'argent, c'est de l'argent. Donc asseyez-vous. Oui. Donc hier, vous m'avez parlé de résurrection. Hein, ce qui est peu probable puisque vous m'avez pas parlé de résurrection avant. Bon. Donc il s'est passé quoi ensuite? Au moment d'arriver à la moitié des salles à résoudre, j'arrive à une salle assez difficile. Le centre d'enrichissement a le regret de vous informer que ce test est impossible à résoudre. Donc inutile d'essayer. What? Mais pourquoi on est dans une salle que je ne peux pas résoudre alors? Ça a pas de sens. Comme faire ces tests d'ailleurs. Pour vous voir galérer. En réalité, c'est tout l'intérêt des salles de test. Ok. Donc, en gros, je suis enfermée ici, c'est ça? C'est ça. Sauf bien sûr si vous arrivez à la résoudre. Pendant que vous essayez de sortir de cette salle, je vais pas arrêter de vous répéter que ça sert à rien pour vous faire encore plus stresser. Bonne chance. Ok, génial. Bon, voyons voir. Mais en fait, c'est simple. Juste à prendre ce cube juste en face, là. Elle est insoluble. Et à l'emmener ici. Elle est insoluble. Honnêtement, et... Quoi? Mais pourquoi c'est désintégré, bordel? Attendez, j'ai oublié de préciser une chose. La grille d'émancipation matérielle de fermeture Science vaporisera tout matériel la traversant. Prenons comme exemple le cube de stockage laissé de fermeture Science. Comme vous pouvez le voir, la grille l'a vaporisé, donc inutile d'essayer de faire passer quoi que ce soit dedans. Ça aurait été sympa de me le dire avant. Mais rassurez-vous, nous vous redonnons un cube de stockage laissé. Encore heureux, mais il est où? À l'endroit où vous avez trouvé celui que vous avez vaporisé. Ah oui! J'en étais où, moi? Oui. Mais du coup, je fais comment pour l'emmener là-bas? Ah bon, attends, j'en ai marre de rester debout. Ça fait depuis le début de la saga que je suis debout. Personne ne vous en voudra d'abandonner. Allez, échelle, pense, pense, pense! Abandonnez maintenant et vous aurez du gâteau. Hein? Quoi? Du gâteau? À quoi? J'adore les gâteaux. Au chocolat. Mais j'aime le chocolat, moi! Ok, j'abandonne! Renoncez vite, dites donc. Oui, disons que les gâteaux, c'est un peu mon péché mignon. Tenez. Normalement, un gâteau est censé sortir d'un des murs de la salle. Ah, je l'ai vu! Eh, mais attendez, il y a pas de couvert avec le gâteau, je fais comment pour le manger? Avec les doigts? Je suis pas une sauvageonne non plus. Ah, excusez-moi. Pour que vous passiez un peu d'exercice, je l'ai mis à l'autre bout de la salle. Voilà. Elle est où? Ah, ça y est, je la vois! Non, non! Non, mon gâteau! Non, reviens! Non! Mais pourquoi avez-vous fait ça? Parce que je m'en doutais que vous alliez réagir comme ça. Mon gâteau! Et voilà qu'elle se met en boucle pour pleurer. Bon, vous savez quoi? Si vous venez à bout des 19 salles de test, je vous offre un gâteau, d'accord? C'est vrai? Oui, je peux être gentille quand je le veux. Bien! Dans ce cas, je vais tout faire pour avoir ce gâteau. Alors, Shell, réfléchis. Tiens, j'avais pas vu la plateforme au-dessus de moi. En plus, il y a un portail orange juste devant. Comment j'ai fait pour pas le voir? Bon, je vais mettre le portail genre... là. Ouais, c'est bien ici. Bon, au moins cette fois, ça ne se désintègre pas, c'est cool. Attends, c'est quoi ce trou au-dessus de la grille d'émancipatruc, là? Il y a depuis combien de temps? Depuis le début du test. Ok, faudrait vraiment que je m'achète des lunettes en sortant d'ici, moi. Alors, vais essayer de bien viser dedans... Voilà! Par contre, c'est pas un peu trop haut. Ah, purée, j'ai vraiment pas l'habitude de ces ressorts. Merveilleux. Vous avez fait preuve d'une grande ingéniosité malgré une situation des plus décourageantes. Mon gâteau... Ça va aller? Hein? Oui, pardon. Bon, j'ai plus qu'à mettre le cube sur le bouton. Félicitations, Shell. Yeah! Et c'est tout? Oui. Ok. Je pensais que vous alliez me casser comme d'habitude, mais bon. Je peux le faire si vous voulez. Non merci, c'est bon. Mince, c'est la dernière boîte d'haricots. Je risque d'avoir des gaz les prochaines heures. Je dois sauter dans le vide. N'oubliez pas le portail. Je suis donc pas seule. Ah oui, pas bête. Une femme. Oh. Mais oh. Oh. Ah. Je
dois la sauver. Ah, n'oublie pas, Shell. T'as des ressorts aux pieds. Des ressorts aux pieds. Tu n'auras pas en tombant de très haut. Extraordinaire. Vous avez compris l'influence des portails sur la dynamique. Ou plus exactement, leur non-influence. Ouais, j'ai compris, mais j'arrive toujours pas à m'y faire. Continuez ce test, vous êtes sur la bonne voie. Faut encore que je saute d'aussi haut? Mais j'ai le vertige, moi. Bien, quand faut y aller, faut y aller. Le centre d'enrichissement vous garantit un environnement de test sans danger. Ça vous voyez, j'en doute, vu que je suis déjà morte une fois. J'ai fini le test ou... Non, vous devez mettre le cube que vous avez oublié de prendre sur le bouton. Et ensuite aller jusqu'au SAS pour terminer le test. Oh non. Voilà, hein? Marqué sur le mur, hein? The cake is a lie. Voilà, je signe, voilà. Et à côté, je mets Why Mrs. Anderson. Voilà, Why Mrs. Anderson. Ah, il manque plus qu'à rajouter un petit peu de noir ici, là, une petite fleur, un cœur, voilà. J'espère qu'elle arrivera ici au bon moment. Bon, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin et laisser d'autres mais... Oh, oh, j'ai pété. Oh, c'est les haricots. Oh, faut que j'aille mettre sur d'autres messages. Au revoir, monsieur Lamire. Bon, vais essayer de bien atterrir. Ah, merde, j'ai atterri à côté. Ah! Waouh, mais je suis tombée de vachement haut! Heureusement que j'ai ces ressorts, hein. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On dirait une cachette. Non, je dois pas aller voir, j'ai le test à faire. Quoique, je suis quand même curieuse. Bon, allez, j'y vais! Waouh! On dirait qu'un clodo a vécu ici, sa schlingue! Pouh! C'est quoi ça? Ah, je comprends mieux. Le mec n'a mangé que des haricots en conserve. C'est plus logique maintenant. Attends, elle est encore chaude. Ça veut dire que je suis pas seule ici? Y'a quelqu'un? Répondez! Mais qu'est-ce que c'est que tous ces messages? The cake is a lie? Mais c'est écrit plusieurs fois, c'est censé vouloir dire quoi? À vrai dire, j'ai jamais compris l'anglais et j'ai sauté les cours de langue au lycée. Bref, cake, c'est le seul mot que je comprends, mais ça veut dire quoi, lie? D'après mes souvenirs, c'est un verbe irrégulier qui veut dire être étendu ou être allongé. Donc en gros, il y aura des gâteaux qui s'étendront des kilomètres dans une salle. Mais je me dépêche de finir cette fichue salle de test alors. Vite! Mon gâteau ne voit, j'arrive! Où étiez-vous parti, Shell? Au petit coin. Et vous avez semé vos déjections où? Dans un endroit où vous pouviez pas me filmer. C'est déjà assez gênant d'être filmé tout le temps comme dans une émission de télé-réalité, alors si en plus on me filme aux chiottes... Bon, j'irai récupérer ça plus tard. Ça peut toujours servir pour réaliser d'autres tests scientifiques. Hein? Mais vous êtes dégueulasse! Bien, finissez le test avant de subir mon bain à l'acide. Oui, désolé. Bon alors, je fais la même chose que tout à l'heure. Alors, prendre le cube, voilà. Alors, mettre un portail au sol pour arriver en face. Et mettre enfin le cube sur ce bouton. Voilà! Excellent. Bon, vous avez été plus long que dans les anciens tests, mais c'était bien. Désolée d'avoir eu une envie pressante, hein. Vaut mieux pas que je lui parle de ce que j'ai vu en bas. Bon, maintenant je suis prête pour terminer toutes ces salles. Au fait, il y en a combien? 19. Encore 19 salles et c'est bon! Non, je disais qu'il y en a 19 en tout, pas qu'il en reste 19. Ah. Et il m'en reste combien? 9. Ouais, fallait juste enlever le 1 et c'est bon, quoi. Enfin bref, encore 9 salles et j'ai mes gâteaux! Ce que je vois, vous aimez vraiment les gâteaux. Vous voulez un curly? Un peu, mon neveu! Ouais, enfin bref, pour en revenir aux écritures sur le mur dont vous parliez juste avant, vous savez vraiment pas ce que ça veut dire ou vous vous foutez de ma gueule? J'ai jamais aimé l'anglais, à vrai dire. C'est du chinois pour moi. Non, c'est de l'anglais, comme vous venez de le dire. Hein? L'anglais, ça peut pas être du chinois, c'est de l'anglais. Pourquoi vous comprenez pas? Why? Why, Mrs. Anderson? Hein? Why? Why? I don't give a shit! Donc, je disais, vous ne savez pas ce que veut dire « The cake is a lie ». À ce moment-là, non, mais maintenant je sais. D'accord. Et concrètement, pour vous, ça veut dire quoi? The cake is delicious! Bah oui, delicious, delicious, voilà, les trucs en chios, c'est la même chose. Je sais pas, non? Ah oui, si vous le dites. C'est bien d'avoir ses propres définitions de la vie, hein, c'est cool!
n'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee.